Ben, vous connaissez les paroles ? Ah, par cœur. Très bien. C'est la chronique de Lionel, vous l'avez compris. Ouais, ouais. Alors, bon, personne, tout le monde a plus de 18 ans ici. Georges, vous qui faites si jeune. Ouais. Gentil de nous mes demander. Amis, plongeons conjointement dans le bonheur simple des âmes et des corps unis par la joie du partage de la Nawel. Nous sommes, alors on se projette, hein. Nous sommes le 24 décembre, le Père Noël va pas tarder à venir. On a bien mangé, on a bien bu, on a les idées qui volent haut. Alors dans la noirceur de cette nuit de lumière, citrate de bétaïne et coffret nuit originale en Mayenne aidant, les corps se rapprocheront peut-être. C'est le Noël de l'amour, le Noël des corps. Gras et désir tourbillonnent, merci la pharmacie. Enfin ça c'est vraiment pour les plus chanceux d'entre nous. Car pour d'autres, la nuit sera morne et solitaire. Ceux-ci iront s'adonner à des vices interdits par la morale, solo sur la tablette. Ils se laisseront prendre par la main, par l'algorithme de YouPorn, et voleront au cœur de leurs rêves les plus mystérieux aux frontières de l'indicible. Chemin faisant, ils atterriront sur le dernier truc ultra à la mode dans le rayonnage de derrière le rideau du vidéoclub internet, l'ASMR. C'est un acronyme dont je vous épargne la signification. C'est comme l'ADMR ? Alors, vous posez bien naïvement la question de savoir de quoi il s'agit, hein. Je vois ça, Georges. Oui. Ou du moins, oui. Vous jouez bien la comédie. Non. Et je vais vous expliquer en gros en quoi ça consiste. Alors, ça consiste à émettre un tas de petits bruits un peu dégueux tout près d'un micro. L'auditeur qui est scotché là-dessus s'en trouve tout émoustillé. Alors, d'ailleurs, en aparté, un truc intéressant, pour nos amis musiciens qui nous écoutent, sait-on jamais, faire tout l'inverse de ce que vous disent de faire les ingénieurs du son provoque donc des orgasmes, a priori. À chacun d'en tirer ses propres conclusions. Mais attention, je vais vous mettre en garde, cette pratique d'apparence un peu concon rend accro, et là, ça devient pas joli joli. J'illustrerai mon propos par un exemple qui va vous parler. En tant que Rennais bien informé, vous n'êtes pas sans savoir que la révolution a commencé. Conséquence directe, ça nous mène notre fidèle Hutintin dans un état proche de celui, celui qui est seul dans son pieu à la Noël. Il est dans la loose totale. Les esprits affûtés ont déjà grillé que notre pauvre porteur de caniveau était en proie à une forte dépendance à l'ASMR. Son canal grave-le à lui, c'est le 17. Il est rivé à son oreillette et le capitaine Cradock lui fait des bruits en caressant le micro, en bavant dessus, en susurrant des mots vulgaires. Parfois l'orgasme est si puissant pour le reporter qu'il pond un article en même pas 5 secondes. Hier c'était flippant, il a passé l'après-midi en transe orgasmique. Vers 14h, il annonçait « Manif tranquille !» se basant sur le taux de charge de la bande à flics particulièrement élevé. Un peu plus tard, une méga friandise ouest-orchonesque apparaissait. Une partie du cortège, celle des pompiers, s'était mise à taper sur des gens qui leur plaisaient pas. Des APA masqués et des gilets jaunes. Alors ce genre de truc, ultime dissociation en manif, c'est du pain béni pour un Hutintin en manque de virilité mythomaniaque. Direct, le voilà qui nous sort une de ces savantes saloperies, mitonnant que des méchants APA ont tenté de voler le mini-camion que des pompiers trimbalaient symboliquement. Pompier qu'on retrouvera plus tard dans le burlingue du sous-préfet à se faire promettre une lettre. Waouh, bien joué les gars. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Georges, Capitaine Kate, des bourrins qui font chier avant d'aller pleurer dans le bureau d'Idi Arlo et qui tapent pour protéger un jouet pendant que Ouin-Ouin les y encourage. Le CE2 à l'Ermitage ? Bah oui, c'est ça. Et pendant la bagarre, Hutintin et Zizi à l'air dans la cour de récré et personne n'a encore appelé les parents. Rien ne va plus. Un peu plus tard, le voilà qui décrète la fin de la journée. Il est 15h, 15h30. Pourtant, son oreillette diffuse toujours du ASMR policier de premier choix, puisque la bande à Cradock s'est rendue à Rennes 2 et contrôle et subtilise les effets personnels de tout ce qui a l'air jeune et sort de la bouche de métro. Ces messieurs, en mode Chili 73, vont ensuite tenter de rentrer sur le campus, histoire de faire briller l'uniforme. Mais là, attention, drame pour Hutintin. Car voilà-t-il pas que, surgissant comme un diable de sa boîte, Oli Dada, hein, Olivier David, le président de Rennes 2, se précipite au-devant des Bleus et fait rempart de son corps pour empêcher l'opération GI à l'assaut des Viet Cong. Et oui, j'ai envie de dire, ultra triste ironie pour les gros vieux cons, puisque celui-là même qui l'an passé rameutait ces mêmes flics sur sa fac a vite pris conscience du degré de merditude de ce genre d'affaires le jour où il s'est déterré pour sa retraite. Pour Hutintin, ça a dû être une sacrée trahison. Un peu comme s'il tombait sur une photo de son ex sur Facebook, qui roule des pelles à 10 personnes plus belles que lui. Dans ces cas-là, même dans la rédaction capitonnée d'Ouest Torchon, on ferme son museau et on mate YouPorn en silence. La suite, au prochain épisode. Ouais, on peut l'applaudir, t'as raison, ça fait. Moi, j'applaudis Lionel pour la dernière chronique de l'année 2019. Eh bien, il y en aura d'autres en 2020, je pense. Ah, si vous m'embauchez, oui. Avec les municipales qui arrivent, notamment, etc. Oh, ouais, mais je vous ai dit, c'était trop. C'est pour ça, c'était trop. Faut qu'on fasse un comme au boulot, un bilan de fin d'année.